Donc, bienvenue à la dernière rencontre de la communauté francisation de cette année. Donc, ce n'était pas une année facile. On a hâte que cette année soit finie, qu'on puisse retrouver la vie normale. Mais au moins, il reste encore un peu de temps. Là, on a déjà de belles nouvelles. On peut enlever le masque. Il y a d'autres choses. Donc, ça se place tranquillement. Comme j'ai proposé la fois passée, donc aujourd'hui, on va continuer. Judith est avec nous. On va continuer la discussion sur le multiniveau en francisation alpha. Donc, tu auras tout ton temps, Judith, pour présenter le document. Je vais le projeter, je l'ai déjà ouvert. Et avant de commencer, donc, comme je vous ai dit aussi, on va faire un petit bilan de ce qu'on a vu cette année. Et je vais vous envoyer un petit sondage pour l'année prochaine. On va aussi, Richard va l'envoyer aussi aux autres qui ne sont pas durant la rencontre, qui ne vont pas être présents à la rencontre d'aujourd'hui. On a aussi Josiane Comtois avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Josiane. Donc, on va commencer notre partie nouvelle. Et d'emblée, je vais laisser la parole à Sophie parce qu'on a reçu tout le monde a reçu probablement l'invitation bien de Charles pour la présentation du site de Pédagophoa. Mais je vais te laisser, Sophie, préciser. Merci, Rima. Je viens de partager quelque chose dans l'espace de clavardage. Il s'agit des liens qui vous conduisent au visuel, au descriptif et ainsi au lien d'inscription vers le webinaire qui sera animé par Charles, mon collègue Charles Durocher, portant sur la nouvelle plateforme Bibliothèque Pédagophoa. Donc, ces deux présentations-là se feront le 16 juin. Il y en a une le matin à 10 heures et il y en a une autre qui se répétera exactement le même contenu à 14 heures de l'après-midi. Ça dure 90 minutes. Donc, on vous présente la plateforme ainsi que certaines pistes pédagogiques pour vous inspirer à l'utiliser en classe, que ce soit en présence ou à distance. Alors voilà, c'était les paroles de Charles que je vous transmets parce qu'il ne pouvait pas, bien sûr, se joindre à nous ce midi et il m'a demandé d'assurer le relais de l'information. Donc, merci Rima de m'avoir donné quelques minutes pour parler de cette belle plateforme. Alors, vous êtes les bienvenus à vous inscrire, nombreux, si vous le désirez. Merci. Merci, Sophie, pour cette présentation aussi. Ma petite nouvelle information à partage. Je vais vous partager aussi, je vais essayer de partager mon écran et je vais vous partager deux ressources. Donc, la première, vous vous rappelez, en début d'année, on a eu Jean-Simon Garnor qui nous a parlé des ressources pédago-numériques pour la formation en francisation. C'était le Geniali qui avait été commencé, donc il est terminé présentement. Et vous pouvez, j'ai mis le lien dans notre ordre du jour. Vous pouvez aller cliquer sur le lien et le voir. Ça, c'était une des ressources. Donc, il y a des ressources qui permettent de, si on se promène, on va voir c'est quoi pour la communication, les ressources bien pédago-numériques qui peuvent nous aider à travailler le vocabulaire, la compréhension orale, la production orale. Donc, par compétence, ça peut vous donner aussi des idées d'exploitation, des applications en salle de classe. Et aussi, j'aimerais vous présenter une autre ressource. Donc, il va y avoir, et je vous présente une autre ressource, notre Geniali. Ce sont bien nos deux enseignantes qui faisaient partie de comité éthique de FGA Montérégie. Et ils ont créé un Geniali qui bien ramasse certaines ressources de base pour la francisation. Ce qui est intéressant probablement pour un enseignant qui débute, donc si on clique sur un niveau et après ça, mais on peut voir où est-ce qu'on peut trouver dans quelles ressources, les liens sont cliquables. C'est sûr que bien, il faut quand même regarder si ça convient à notre niveau, si ça convient à notre groupe, est-ce que nos élèves sont rendus déjà là ou non. Mais ça permet aussi d'avoir un point de départ pour les enseignants quand ils arrivent. Donc, vous avez aussi le lien dans le,
le document collaboratif. Voilà, c'était ces deux ressources numériques. Et aussi, j'ai fini le dépôt des examens de la commission du Centre de services scolaires de Laval sur Mara. Je vous invite à les regarder. J'ai aussi mis quelques précisions que Chloé Vallière, avant de passer le flambeau à Jean-François, nous a envoyées. Donc, Jean-François va nous tenir au courant si les guides vont être faits. On va les remettre encore. Faites attention quand vous allez regarder pour comprendre comment sont organisés les examens. Il sera bien d'aller voir les petites précisions parce que ce n'est pas fait de la même façon. Donc, voilà, c'était juste quelques petites nouvelles. Et maintenant, Judith, tout le temps est pour toi. Alors, bonjour à tous. Voilà, je vous présente deux canevas approximatifs d'une journée. Il y en a une qui est sans COVID, puis l'autre avec COVID. Donc, celui qui est sans COVID, avant, à l'École Nouvelle Horizon, nous avions 5 bénévoles en lecture qui renforçaient la lecture de nos étudiants. Donc, elle venait chercher nos étudiants de manière individuelle et nos étudiants avaient la chance d'être seuls avec la bénévole en lecture. Maintenant, ce qui a changé aussi, c'est qu'avant, sur le canevas sans COVID, les étudiants avaient la possibilité aussi d'être placés en sous-groupe. Les chaises étaient collées, il n'y avait pas de distanciation sociale à l'époque, donc on fonctionnait de cette manière. Si vous remarquez bien, au début, c'est de l'étude personnelle. Chaque étudiant a leur cartable et tout ça, et ils font leurs activités quand même assez clairement pendant la pause. Et ensuite, on continue les activités à 9h10, on continue, on fait la correction à la deuxième partie de la pause et on installe les portables individuels pour qu'ils puissent faire leur exercice. À cette époque, il n'y avait pas de lavage, il n'y avait pas de désinfection. Et à la fin, on continue les activités et on écoute et on répète, on y va par terre, on répète, on répète, on répète. Alors ça, c'était pour… on inscrit chaque consigne dans le tableau. Au tableau, si on va un peu plus en dessous, si on y va un peu plus en dessous, on va voir que il y a un peu plus en dessous peut-être encore. On va voir tableau niveau zéro, un exemple d'activité qu'ils peuvent faire en salle de classe. Puis les élèves, il n'y avait pas d'attente, les élèves y allaient haut la main pour faire les activités qu'ils devaient faire. Donc, on voit les types d'activités qu'on faisait au tableau. Maintenant, avant que j'aille dans la partie avec COVID, dans la partie d'une journée, on voit que les élèves écrivent, ils font des exercices beaucoup au tableau. Ils font beaucoup d'activités de lecture, des dialogues, on pratique les dialogues ensemble, pas de problème. Okay? Maintenant, si on va complètement à la dernière partie, la partie avec COVID, on va voir que maintenant, il y a zéro bénévole en lecture. On fait beaucoup place à la technologie et puis ce qui est important, c'est on a encore notre activité d'études personnelles, mais cette fois-ci, les tables sont séparées on essaie de garder quand même les élèves du même niveau dans la même rangée pour favoriser cet aspect-là de travailler en îlot. On avait, avec le sans COVID, on travaillait en îlot physiquement, mais là,
on travaille en îlot encore, mais de façon séparée. Ensuite, on procède beaucoup à la désinfection du matériel à chaque utilisation. Beaucoup plus de... Et puis le masque est utilisé en tout temps, puis il y a séparation des bureaux à deux mains. Maintenant, si on regarde un peu plus au milieu de la feuille, on va voir qu'est-ce qu'il faut pour, si on regarde un peu plus haut, les conseils pour pallier aux défis en classe de francisation alpha multiniveau. Okay? D'abord, ce qui est important, c'est l'autonomie, favoriser l'autonomie des élèves. Ce qui est important, autant sans COVID qu'avec COVID. Favoriser l'autonomie des élèves, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un bien grand mot. Ça veut dire que les consignes doivent être hyper claires. Chaque consigne doit être claire et l'élève doit être en mesure de comprendre chaque consigne pour pouvoir les faire. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, plus l'élève va être autonome, plus je vais pouvoir me promener un peu partout pour voir où ils sont rendus dans leurs activités. Deuxième point qui était les consignes doivent être très claires. Il faut être, comme enseignant, très vigilant, être en constante surveillance parce qu'on peut réellement donner des consignes claires, mais quand on regarde ou on écoute, on voit que l'étudiant peut-être n'a pas fait la bonne chose, la bonne tâche. Alors là, le professeur doit rediriger l'étudiant dans la bonne tâche et on lui donne du temps pour aller circuler dans les autres groupes, les autres groupes qu'on a formés, mais de manière distancée. C'est important aussi l'aspect de répétition. On les fait répéter, puis on les fait verbaliser parce qu'en leur faisant verbaliser ce qu'ils doivent accomplir, on peut savoir s'ils ont compris l'activité ou non. Et on peut utiliser un autre élève pour lui donner un exemple. Ensuite, on travaille aussi en petits groupes niveau, c'est-à-dire qu'on les met à peu près dans la même place. Alors, la première rangée va être favorisée par les élèves du premier niveau. Et puis, la deuxième rangée, on va mettre le niveau 2, puis la troisième rangée, le niveau 3, par exemple. Donc, on va les faire travailler en sous-groupe encore. Mais on doit les aider, on doit en tant que professeur intervenir un niveau à la fois. Donc, si je suis avec le niveau 1, ben, c'est seulement le niveau 1 pendant que le niveau 2 fait une autre activité. Je dois me concentrer sur un niveau à la fois et ça, c'est très important pour eux. Il faut également être à l'écoute. Être à l'écoute constamment hein, si on entend des mauvaises constructions, qu'on puisse les corriger. Pour travailler dans des activités un peu plus communes, on va privilégier les élèves forts et les élèves faibles ensemble. Donc, voilà. Et puis, il faut planifier au quart de tour et être vraiment bien organisé, très flexible. Ensuite, autre chose, oui, c'est vrai, il faut être, en tant que professeur de francisation alpha, il faut être en mesure de se retourner sur un dissène parce que n'importe quel événement personnel peut arriver et on doit être en mesure d'intervenir. Alors, on doit vraiment s'adapter à différentes situations. C'est la réalité de c'est notre réalité. Ensuite, il faut aussi être en mesure de prendre des notes, savoir, parce que chaque étudiant a leur cartable selon leur niveau. Et on doit être en mesure de prendre des notes et voir à quelle page il est rendu pour s'assurer de sa progression dans son apprentissage. Désolée pour la cloche, déjà sonnée.
Donc, il faut prendre des notes, être en mesure de tenir quand même un calepin. Et aussi, dernière chose qui est importante, c'est on fait le suivi avec l'étudiant et chaque étudiant a son cartable et pendant la période de suivi, on s'assure que le cartable est bien organisé parce que ça fait partie de l'apprentissage de bien organiser son cartable et tout ça. Donc, on s'assure à ce qu'on mette de l'ordre dans le cartable parce que souvent, nos étudiants, ils n'ont jamais été à l'école. Donc, le fait de les aider, bien les enligner, mais ça va mieux dans leur apprentissage. Et dernière chose, l'implantation avec le monde, avec COVID, la technologie a été d'un grand secours pour nous. On les rend autonomes. Ils sont capables de rentrer dans l'ordinateur avec peu d'aide et on est en mesure d'aider ceux qui en ont vraiment besoin. Alors voilà, ça c'était la présentation sur les groupes multiniveaux et c'était surtout la présentation de Madame Annie à l'époque qui faisait un travail extraordinaire avec nos étudiants, c'est-à-dire qu'elle écrivait tout au tableau et puis pour s'assurer que tout soit clair. Merci beaucoup. Merci Judith. Je comprends que si on regarde bien la planification, mais on peut voir aussi c'est une planification assez détaillée, période par période, comment ça a été organisé dans les groupes, par exemple. Est-ce que c'est toujours les mêmes groupes? Est-ce que c'est changé? Et on a les activités, l'avant-midi, l'après-midi aussi. Est-ce que c'est vraiment ce que si je prends, par exemple, parce que je veux un petit peu me situer, si je prends le niveau 1, ça veut dire que les élèves que vous avez en francisation alpha 0, c'est ça qu'ils vont faire pendant la journée? C'est ça qu'ils vont faire pendant la journée, effectivement. OK. Effectivement. Donc, chaque c'est vraiment séparé. Alpha 0, Alpha 1, ils ont toutes différentes activités parce qu'ils ont tout un but différent. Il y en a qui viennent d'arriver, qui ont zéro notion de français. C'est pour ça qu'on a nommé un niveau 0. C'est un pré-niveau 1, effectivement. Pour la précision, merci pour le partage. On peut voir que comme la fois passée, les canevas sont bien faits, c'est bien planifié, on sait où est-ce qu'on s'en va. Je pense que, oui, c'était beaucoup de travail, j'ai l'impression, et je pense que je ne me trompe pas, que ça a pris beaucoup de travail pour bien planifier ces choses-là. Et ensuite, si quelqu'un d'autre arrive, il a déjà le déroulement de ce qu'il doit faire pendant la journée quand il est en classe avec les élèves. Et je pense que vous avez aussi du matériel qui convient à chacun de ces niveaux que vous avez créé localement, qui correspond à ce que vous avez planifié. Donc, c'est vraiment un travail en amont. On a travaillé beaucoup les canevas pour qu'on puisse vraiment suivre le programme. Et on a créé nos propres matériels. Moi, en phonétique, j'ai créé aussi beaucoup de PowerPoint, mais des par thème. Et ça, le visuel, c'est quelque chose qui aide beaucoup les étudiants et je suis en mesure, effectivement, de leur partager ce matériel fait maison parce que c'est moi les droits d'auteur. Donc, je n'ai pas besoin de demander à qui que ce soit si moi je l'ai créé. Et ça a été un grand plus. Une dernière chose, pour point de vue de la technologie. Point de vue de la technologie, nous sommes des étudiants. On a eu beaucoup de... quand on était à distance, on a pu donner des heures à chaque étudiant. Et puis ça, ce que ça fait, c'est que ça leur a permis d'avancer beaucoup plus vite en séparant nos groupes. Moi, j'ai donné une heure au niveau zéro,
Une heure au niveau zéro, j'ai donné, c'est ça, j'ai donné une heure au niveau zéro, j'ai donné au niveau un, j'ai donné une heure, mais à chaque niveau, ils avaient leur heure et ça a permis qu'ils avancent beaucoup plus rapidement que si j'avais tout mis les groupes ensemble. Donc ça, c'était une des réalités à distance. Ça veut dire qu'en classe, on veut pas, il faut travailler avec les quatre niveaux qu'on a, mais en étant à distance, tu as pu fixer, par exemple, de 8 à 9, j'ai le niveau 0, de 9 à 10, j'ai le niveau 1, et ça permettait d'avoir une heure complète avec l'enseignant sans interruption. Exactement. Donc ça, ça a été profitable pour nous à ce niveau-là, effectivement. En classe, on fait un peu la même chose. Pendant qu'ils travaillent sur un sujet, on travaille avec un groupe sur leur thème et on se promène. Mais les rendez-vous, ils ont vraiment apprécié ça. Voilà. Merci. Merci, Judith. Est-ce qu'il y a des commentaires? Marie-Catherine, as-tu des commentaires sur leur fonctionnement? Comment est-ce que ça a fonctionné? Tu voulais présenter la fois passée. Est-ce que tu peux partager ton expérience aussi? Bien, en fait, moi, d'abord, merci. C'est vraiment aidant. Puis j'aime beaucoup à la fin quand il y a des points comme ça. C'est vraiment ça que les enseignants ont besoin, tu sais, d'être guidés puis de savoir, d'avoir des trucs très concrets. Donc, je vous remercie. Puis moi, en fait, pour ma part, j'avais proposer des activités, même pour celui sur l'après-cours sur les séquences d'enseignement, que j'avais un petit peu adapté, mais je vais tout déposer ça sur le... Puis moi, j'avais fait une feuille explicative aussi, donc je vous dépose ça. Puis si jamais vous avez des questions ou vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire un courriel, puis on pourra se parler, là, ça va me faire plaisir. Mais je vais t'envoyer ça, Rima, cette semaine. OK. Merci beaucoup. Et Judith, une petite question. Comme tu avais dit que c'est toi qui as préparé les PowerPoint qui étaient très beaux, il n'y a pas de droit d'auteur. Eh oui, Caroline sourit, là. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous les partager aussi avec ton nom? Oui, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas comment je vais faire ça, là. Mais Caroline va t'aider. Je peux vous les partager. Je peux toutes les partager, Rima, et puis... Le réseau va en bénéficier. On va le mettre dans la bibliothèque de la communauté. Les gens vont pouvoir s'en inspirer ou vont pouvoir les utiliser tels quels. Oui, il n'y a pas de problème. J'en ai sur différents thèmes. Et puis, les étudiants aiment ça parce que pour eux, c'est plus clair. Ça devient... Même pour les sons, j'ai fait un PowerPoint où je mettais ma voix. C'était ma voix. Alors, ouin, yon, et puis avec des mots. Et puis, je pouvais cliquer les informations. Donc, oui, je pouvais mettre ma voix dessus et les élèves peuvent lire et comprendre. Donc, oui, ça, j'ai vraiment adapté les PowerPoints en relation avec le programme parce que ça n'existait pas. Donc, je me suis beaucoup amusée. Mais Rima, si tu me permets, ça serait peut-être une bonne idée dans ce cas-là de mettre les documents. Je ne sais pas si vous connaissez le Creative Commons. Nous, au RICI, on travaille comme ça. Tu sais, c'est une licence de droit et c'est quelque chose de légal. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'il y a possibilité de réutiliser tout le matériel, mais on peut même aller jusqu'à dire on peut le réutiliser, mais de pas faire quelque chose de payant avec. Parce que le travail, c'est vous qui l'avez fait. Fait que je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant parce que le RICI fonctionne beaucoup comme ça. Tout ce que le RICI produit, c'est en Creative Commons, donc il y a possibilité de reprendre puis de, en bon français, de remixer tout puis de l'adapter à sa réalité. Là. Ça fait que... Mais ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est une licence légale. On peut pas déroger. C'est un petit peu comme un droit d'auteur, mais je dirais à l'envers. Parce que le droit d'auteur, c'est restrictif, tandis que l'autre, c'est plus ouvert. Mais ça pourra faire l'objet peut-être l'année prochaine d'un autre... d'un point, oui, là, mais si vous avez besoin d'informations là-dessus, vous avez juste à m'écrire, puis on pourra arranger ça.
Merci, merci, parce que je pense que tous les documents qu'on crée aussi à Montérégie, c'est aussi avec cette licence et après ça, mais on les partage avec la communauté qu'on a autour de nous. Donc, ils peuvent l'utiliser, ils peuvent les modifier en gardant la paternité de la source s'ils veulent et ils peuvent les utiliser tels quels. Je pense que les situations d'apprentissage sur Alexandrie, ça va de même aussi. Merci, merci à toi, Judith. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, il nous reste encore un peu de temps et j'aimerais bien, si on a des discussions, si vous avez des commentaires à propos de multiniveau, allez-y, c'est le moment. Sinon, je vous proposerai de faire un petit bilan de ce qu'on a vu, de ce qu'on a parcouru cette année pour pouvoir ensuite se projeter pour l'année 2021-2022. Écoute, Rima, moi, j'aimerais juste te dire merci d'avoir laissé de la place à la francisation Alpha cette année. Je sais que, bon, les autres années, c'était beaucoup la francisation. Puis quand on est arrivé l'année passée, Marie-Catherine, Sophie et moi, puis on t'en a parlé, tout de suite, tu as dit oui, on va regarder ça. Nous, au départ, c'était peut-être créer quelque chose à part, mais tu l'as intégré dans les après-cours, puis... Ben, je veux juste te dire merci pour ça parce que finalement, on a de la place pour la francisation Alpha, de la place pour partager. On a eu 3 rencontres cette année, mais je trouve que ça a été 3 rencontres qui ont été très, très productives. Puis, c'est ça, c'était mon petit mot de remerciement pour la francisation Alpha. Et merci à vous. Merci pour être volontaire à co-animer cette communauté, de trouver des thématiques. Je pense qu'on va continuer l'année prochaine. On s'en reparlera quand on va avoir fait le bilan et les thématiques qui vont apparaître. Et je pense que c'est une belle collaboration des deux communautés dans le sens où certains enseignants, ils se promènent de francisation alpha en francisation. Parfois, ils ont une partie de tâches en francisation, une autre en francisation alpha. Donc, ça leur permet d'avoir une idée globale et de pouvoir participer à ces rencontres. Et je vous remercie aussi. Merci, Sophie, pour la proposition. Donc là, on a fait les remerciements en plein milieu de la rencontre, à la place de le faire à la fin. J'aimerais ajouter quelque chose, si possible. Je trouve qu'on a tout intérêt à communiquer nos besoins, nos réalités, comme on le fait maintenant. Je trouve que chaque rencontre est tellement porteuse, tellement riche d'informations, de collaboration, de façon de faire. Chaque présentation a donné des idées à tout le monde. Et c'est ça qui fait la force de la communauté. Puis vraiment, Rima, tu fais un travail d'animation formidable pour nous fédérer, pour nous garder ensemble. J'espère que tu vas le faire longtemps. Donc, merci à toi pour tout ça. Puis, on va s'organiser pour tous apporter de l'eau au moulin, l'épaule à la roue. Mettez toutes les expressions que vous voulez. Mais merci, Rima, pour ce travail que tu fais, pour qu'on soit tous ensemble le plus souvent possible. Sophie, ne me faites pas rougir, s'il vous plaît. Je prends ça. J'aime pas nécessairement ça, donc là, je ne suis pas capable de le prendre. Donc, je commence à rougir tout de suite. Donc là, ce que je vais faire, je vais changer de sujet. Mais merci beaucoup aussi à tous. Mais avant que tu changes de sujet, Rima, il faut que je te dise que votre communauté est une inspiration pour moi parce que cette année, on commence à démarrer une communauté Alpha Pré pour l'an prochain. Puis on va utiliser probablement la même formule que vous avez. Donc, Alpha une semaine, Pré une rencontre, Alpha, ensuite la prochaine rencontre, la Pré. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent s'inspirer l'un et l'autre. Donc, je voulais mentionner que votre communauté inspire d'autres communautés aussi. Donc, je veux aussi vous féliciter parce qu'il y a beaucoup de matériel qui est amené par les participants. C'est ça qui fait que la communauté est si riche. Là. Est-ce qu'on va avoir une petite vignette là, du comment est-ce qu'on dit là, quand on envoie un petit badge pour ça? Je ne sais pas pourquoi cette année, les badges, je n'ai pas eu le temps. On est rendu à 21 communautés. Donc, c'est vraiment, cette année, ça a été... Mais je trouve que c'est bien, c'est très bien pour le réseau. Donc, on a des communautés par matière, on a des communautés pour la formation à distance, on a des communautés pour la conseillance pédagogique. Donc, les enseignants et les conseillers pédagogiques, s'ils veulent se former, partager, avoir un peu plus d'informations, avoir plus de ressources, il faut juste participer soit en présentiel, soit en différé
Et tu peux toujours avoir beaucoup d'informations. Et je trouve que vraiment, cette année, c'est probablement le nombre de communautés a doublé. Ah oui, c'est une bonne année. On va le dire comme ça, là. Mais là, on va dire, OK, je vais continuer, là, mais ça fait aussi en sorte que toi, tu es à temps plein avec les communautés. Donc, on a un support. Patrick est avec nous aussi pour la francisation. Donc, ça aussi, ça fait quand il y a une ressource qui est capable de préparer, d'être toujours en soutien, mais c'est sûr que ça va très bien. Donc là, je vais changer de sujet. Je veux juste faire un petit bilan. Si on regarde ce qu'on a vu cette année, on a vu les jeux, OK, les jeux dans l'apprentissage d'une langue seconde. Si je parle juste des thématiques, on avait une rencontre, on avait des jeux qui avaient été partagés, donc il y a un dossier spécial. On a parlé de l'enseignement par projet en francisation et il y a des idées de projets qui avaient été partagées. On a parlé de le développement de la production orale pour les élèves de francisation. On a parlé de l'enseignement de vocabulaire. Et on a parlé, ça c'était en français, c'était des thématiques plus générales. On a parlé de matériel pédagogique en francisation alpha. On a parlé des stratégies d'enseignement en francisation alpha, de multiniveaux en francisation alpha. Juste en regardant ça, je me suis dit, oui, on a touché à plusieurs thématiques. Et je pense que les gens qui sont des habitués de la communauté, ils ont trouvé beaucoup de sources d'inspiration. Ils ont trouvé aussi beaucoup de ressources pour leur travail quotidien. On avait aussi une panoplie de ressources que nous avons partagées, tant les ressources en ligne que des ressources dans la bibliothèque. Donc, si on regarde, il y avait les sites en début d'année, c'était le Centre de services scolaires de Montréal qui est arrivé avec les Google Sites par niveau où ils ont recensé tous les activités que les élèves pouvaient faire. On a parlé de chaîne YouTube de francisation alpha que nos enseignants de CSS Marie-Victorin ont fait et aussi une autre enseignante qui a proposé, c'est Geneviève LP avec une autre chaîne YouTube. Donc, et je tiens à vous dire que les enseignants de Marie-Victorin, ils continuent, même s'ils ont changé de chaise, continuent à faire d'autres vidéos pour compléter bien toute la thématique. Donc, ça va être disponible bientôt. On a Marie-France Raymond Dufour est venue à la rencontre et elle nous a partagé le lien vers les capsules pédagogiques qui avaient été faites par les étudiants de l'Université Laval. Donc, c'est sûr qu'on pourrait les regarder et peut-être les utiliser en amorce. Si on veut avoir une discussion avec une équipe, on a les liens. On a eu le partage des cahiers syllabiques du Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke. On a Pédagofoi qui est arrivé en dernier. On a les deux Geniali. On a les sites des livres audio. Juste comme ça, en regardant, si on n'était pas tous ensemble, je ne pense pas qu'on puisse avoir autant de ressources. Donc, c'est vraiment la force qui nous permet d'avoir toute cette vision-là, d'avoir cette information et de pouvoir travailler. Donc là, c'est ça, on va essayer de voir avec Richard, Patrick, comment est-ce qu'on va... On va compiler juste les ressources parce qu'après ça, les rencontres, ça va être... Le document collaboratif est archivé. Donc, ceci étant dit, on en a parlé, on a fait les rencontres, les thématiques qui avaient été abordées cette année. Je me suis basée sur le sondage que j'ai fait en juin 2020 pour pouvoir proposer certaines thématiques. Donc, ce que je propose pour l'année 2021-2022, qu'on fonctionne de la même façon. Si maintenant, par exemple, vous voulez intervenir, vous avez des propositions à faire, allez-y librement, je prends tout ça en note. Sinon, je vous propose, je vais vous envoyer le lien, je vais mettre le lien dans le clavardage, vous pouvez répondre maintenant. Vous pouvez répondre un peu plus tard et je vais envoyer aussi à tous les participants de la communauté un lien vers le sondage. C'est sûr que j'aimerais bien qu'il y ait plus de personnes qui répondent et comme ça, on va pouvoir répondre aux besoins du réseau et toucher à différentes problématiques. Donc, c'est ma proposition pour la rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez proposer quelque chose de vive voix? Je peux bien proposer des choses. J'aime ça quand tout le monde est là. Plutôt que de proposer sur un
un courriel sur un papier. Moi, cette année, j'ai travaillé beaucoup à accompagner mon élève pour assurer la réussite. J'ai eu la formation de François Massé, puis évidemment, ça m'a fait réfléchir en enseignante et en pédagogue que je suis. Et j'ai mis en place dans ma classe des choses pour que mon élève soit en mesure de s'auto-réguler un petit peu plus. Là, on parle d'élèves de niveau 4, 5, 6, là, ça a un potentiel d'autorégulation quand même assez, assez fort. Alors, ça, je trouve que ça a été très porteur et je pense que ce serait une chose qui pourrait être discutée en communauté de partage. Quelles sont les bonnes stratégies pour que l'élève soit en mesure de s'auto-réguler? Qu'est-ce qui est aussi très un facteur de réussite très fort selon John Hattie, c'est la qualité de la rétroaction. Donc, je m'efforce vraiment de donner de la rétro de façon avec des stratégies. C'est-à-dire que je me suis autodisciplinée à adopter des stratégies de rétroaction. Et ça aussi. Et puis, étonnamment, je me suis trouvée beaucoup plus en mesure de le faire à distance en ligne. On dirait qu'en n'étant pas avec l'élève, il fallait que je me mobilise plein de stratégies pour que ma rétro marche. Et mes élèves m'ont fait des thumbs up au retour. Ils ont dit « Madame, on a tellement aimé ça ». Alors là, je me dis « OK, ça là, c'est un facteur d'influence important. J'ai observé des résultats super. J'ai eu du super bon feedback de mes élèves. Ça aussi, je crois que ça pourrait être une chose dont on pourrait discuter en équipe. Quelles sont nos bonnes stratégies Oui, j'ai même plus le mot, mais de donner... Rétroaction. Merci, de rétro. J'allais dire feedback, mais c'est comme me s'arrêter. Je savais que ça ne marchait pas, feedback. De bonnes rétro. Donc voilà, ça a été mes petits coups de cœur. Puis aussi, autre chose qui a été super bon que j'ai fait cette année, puis je pense que ça mérite d'être partagé, puis de recevoir d'autres bonnes stratégies, quand mon élève est orienté. C'est-à-dire que on peut faire party, puis let's go, l'élève y arrive, puis on fait une belle journée le fun, puis on s'amuse, puis c'est bien le fun, les journées passent vite, l'élève apprend. Mais si j'ai des élèves qui ont une forte métacognition, si j'ai des élèves qui sont anxieux, désorientés, ils aiment ça savoir qu'est-ce qu'il va faire, puis c'est quoi l'objectif. Puis souvent, si j'enseigne du vocabulaire, là, il se met à paniquer, je dis « Oh, ben c'est parce que c'est de la compréhension de l'oral, je te demande pas de le produire ». C'est pas réaliste, là. C'est pas ça qu'on veut aujourd'hui. Je veux juste que tu le comprennes. Ou encore, c'est de la compréhension écrite. Juste si tu le lis. Il faut que tu le mettes en contexte dans des phrases, dans un paragraphe. C'est juste ça que je te demande. Donc, j'ai fait des affiches avec mes intentions, avec la compétence. Par exemple, lire le courrier des lecteurs. C'est « Puis là, ça, c'est, j'ai une image pour ça, puis je l'ai plastifié, puis je la mets sur mon tableau, puis c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Puis cette semaine, c'est ça qu'on va faire, puis là, je mets toutes mes images. Évidemment, il y a des cours le soir, je retire tout ça, mais à chaque cours, je ressors l'image avec l'intention du jour et la compétence qui est touchée. Et ça, là, ça a calmé les anxiétés de mes élèves qui étaient dépassés ou qui rament plus fort. Puis ça aussi, calmer l'ambition de mes élèves qui sont des élèves de tête qui tirent mes chevaux de tête. Alors, ça a été très, très, très profitable. Je pense que ça serait bien qu'on se partage encore une fois nos stratégies pour orienter nos élèves, pour les informer de ce sur quoi ils travaillent, de la raison d'être de la leçon, de où on s'en va avec ce cours, de nos intentions, finalement. Merci. J'ai tout pris en note. Voilà. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à Caroline? Merci Caroline pour ta belle idée. Effectivement, je trouve que c'est un très beau sujet. Et puis, je ne veux pas m'avancer pour lui, mais Charles donne chez nous une belle formation à cet effet-là sur la rétroaction corrective ainsi que sur la taxonomie révisée de Bloom. Donc, je ne sais pas s'il peut en parler. Je ne veux pas m'avancer pour lui. Mais en tout cas, je sais que lorsqu'il va pouvoir écouter la présentation en différé, ça va réveiller quelque chose chez lui. Et j'aimerais aussi compléter ce que tu as dit. Où va l'élève? Comment se sent-il par rapport à ses apprentissages? Comment peut-il se situer? Je pense qu'on a beaucoup à gagner à réfléchir ensemble sur comment faire développer chez les élèves
une bonne perception de la valeur de leur tâche, une perception positive des apprentissages qu'ils doivent faire, une bonne perception de la valeur de ce, qu'est-ce que je dois apprendre en compréhension orale, qu'est-ce que je dois apprendre en production orale, qu'est-ce que je dois apprendre en, excusez, il faut que je le dise, en phonétique. Qu'est-ce qui est important dans tout ceci pour me permettre d'être un meilleur locuteur en français et ou un meilleur apprenant? Donc, tout ça, on le sait, à l'éducation des adultes, que ce soit en francisation ou dans tous les secteurs, avoir une perception claire de la valeur de la tâche dans laquelle l'élève s'engage, ça fait toute la différence. Donc, tout ça mis ensemble avec la rétroaction, je pense que ce serait une belle, un beau thème à explorer l'an prochain. Merci de ta suggestion, Caroline. Merci, Sophie. Merci. Y avez-vous d'autres préoccupations? Ça me vient à l'idée, là. Je crois pas que ça existe déjà, mais par rapport à chaque niveau là, dans le programme de francisation, là, c'est sûr que moi, j'enseigne le programme là, du ministère de l'Éducation. On n'a pas de guide quand on enseigne un nouveau niveau par rapport à tous les thèmes qui sont dans le programme. Est-ce qu'il existe une façon plus logique d'ordre de thèmes à aborder? Tu sais, quand on enseigne pour la première fois un niveau, là, on ne sait pas trop où donner de la tête, par quel thème est-ce que je commence, qu'est-ce qui serait le plus logique dans la progression des apprentissages. Alors, peut-être que ça pourrait être une idée de partager justement ce que les enseignants font déjà, quel ordre ils suivent, est-ce qu'il y a un ordre logique d'aborder tel thème avant un autre, parce qu'ensuite on peut réutiliser une notion grammaticale, par exemple. Alors, ça pourrait être intéressant, je crois. Voilà. Merci. Merci, Janie. Je pense que pour cette thématique, ce serait vraiment intéressant d'avoir plusieurs enseignants parce que l'ordre ne va pas être pareil. Je suis convaincue que ça va aller avec la personnalité de l'enseignant, avec le groupe. Et avec les thématiques bien avec lesquelles il se sent plus à l'aise et les thématiques qu'il veut faire plus vers la fin quand il va avoir déjà un climat de groupe bien installé. Ça peut aussi varier. Mais on va essayer de trouver des personnes qui vont pouvoir partager leur façon de faire. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'ordre prédéterminé. On voit juste dans le clavardage que Caroline a écrit « La réalité multiniveau m'a fait changer souvent d'ordre des présentations de domaines. » C'est sûr. Si on est en multiniveau, on va tout changer, on va s'organiser. Il n'y en aura pas. C'est pas la même logique quand tu as juste un groupe homogène et t'enseignes juste un seul niveau. Ça influence toujours. C'est vrai. Mais ça serait intéressant de voir. En tout cas, je vais partir à la recherche. Je prends une note. Avez-vous d'autres suggestions? Oui? Moi, je me demande, est-ce que ça a déjà été abordé, le jumelage avec des gens à l'extérieur de la classe? Parce que nous, cette année, on a été préoccupés par la solitude de nos élèves, étant donné que le nombre d'interactions... était très limité. Ils passaient de l'école à chez eux, point final. Donc, tout ce qui était contact social, pratique de l'oral à l'extérieur de l'école, ça nous a affectés. Donc, on a mis en place cette année deux types de jumelage, dont un qui était très intéressant avec des résidences de personnes âgées qui, eux aussi, vivaient la solitude. Et on jumelait un élève de francisation avec un élève, avec une personne âgée, puis ça se passait par téléphone. Ça a été une très belle histoire, c'est vraiment un projet gagnant-gagnant. Puis je suis sûre qu'il y en a d'autres histoires comme ça, puis je pense que les jumelages pourraient être un sujet peut-être jumelé à comment intégrer nos élèves à l'extérieur de l'école, puis les faire pratiquer à l'extérieur de l'école, les faire sortir de nos murs aussi, là, quand on va pouvoir. Ce serait mon idée. Merci. C'est aussi intéressant et pertinent.
Et ça permet aux élèves de comprendre les gens de l'extérieur et ne pas dire, Sophie, comme toi, tu as dit dans un de tes ateliers, madame, je vous comprends, vous, mais pas les autres. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ça permet aussi de faire ces liens. Mais Karine, je vais juste vous prendre au pied de la lettre. Est-ce que quand on annonce ça, est-ce que vous allez pouvoir partager votre expérience, nous donner un peu plus d'informations? Démarche, comment est-ce que vous vous êtes organisée? Bien, je préférerais que ce soit l'enseignante qui a fait le projet qui en parle, mais je ne veux pas m'avancer pour elle, donc je vais lui en parler peut-être l'année prochaine. Oui, ça serait bien qu'elle nous présente son projet. Oui. Je vous reviens. Merci. Je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Ça permet à nos élèves aussi de se créer des liens à l'extérieur. Et de quand même voir différentes prononciations, différents débits, différents vocabulaires, pas juste l'enseignant qui est en classe. Donc, oui, mais ma liste, on a pas mal de choses sur la table de travail. Et je vous ai mis dans le clavardage, je vous ai mis le questionnaire, le Google formulaire. Juste pour, si vous pensez à quelque chose, bien, écrivez-moi. Il y a aussi, bien, le mode de participation aux rencontres, parce qu'on fait avec Richard, on fait parfois un bilan à la fin. OK, on avait combien en synchrone, combien en asynchrone, les trois sujets pour l'année prochaine. Vous avez parlé, c'est correct. Si vous avez d'autres idées, remplissez-le, ça va nous permettre de faire un petit bilan. Et c'est sûr que la prochaine rencontre de l'année 2021-2022. Je vais arriver avec les thématiques qui vont ressortir du sondage et ça va nous permettre de proposer bien des thématiques pour les rencontres de la communauté de l'année prochaine. Et oui, Marie-Catherine et oui, José, pour ne pas oublier la francisation alpha. Donc, ce n'est pas l'intention du tout. Il va falloir voir c'est quoi les problématiques, surtout que, voyez-vous, à la KFGA, on était censé avoir un atelier sur les premiers pas dans la production de programme cadre. L'atelier avait été annulé, donc peut-être qu'on aura un peu plus d'informations l'année prochaine. Donc, ça va nous permettre d'en discuter et de redonner vraiment beaucoup plus d'informations au réseau à propos de la francisation alpha. Voilà, c'était tout ce que j'ai prévu pour la rencontre d'aujourd'hui. Comme c'est la dernière, il fait très beau, il fait moins chaud que les journées précédentes. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre participation, pour le partage, pour la bienveillance de tout le monde quand on parle, quand on discute. Je vous invite à remplir le sondage, ceux qui n'ont pas parlé aujourd'hui et ceux qui ont parlé aujourd'hui aussi. Ça va permettre d'avoir un peu plus d'informations et de faire bien un bilan pour l'année prochaine. Et voilà, on va se rencontrer probablement au mois de septembre, la première rencontre. Vous allez avoir une annonce bien pour ces rencontres-là. Si on a d'autres nouveautés, d'autres examen qui va être disponible, vous allez avoir le petit message dans le forum de Mara Francisation. Je peux vous souhaiter juste un beau sprint final d'ici le 30 juin pour les enseignants, peut-être un peu plus tard pour les conseillers pédagogiques et de belles vacances passées au Québec. J'espère que vous avez déjà réservé les vacances. L'espace, la place. Donc, on va se retrouver en 2021 au mois de septembre pour la première rencontre de la communauté francisation de l'année prochaine. Bye. Bon été. Bye tout le monde.